Zaki Sophie, rebonjour. Rebonjour. Donc c'est pas pour rien qu'on te rencontre ici. Tu es guide accompagnateur touristique, tu es passionné d'histoire et d'archéologie et c'est pourquoi on se rencontre ici dans un lieu chargé d'histoire justement. Et nous avons assisté à cette belle fusion entre donc deux musiques, entre deux styles musicaux, entre à la fois donc la chanson oranaise et le style flamenco. Oui. Et c'est assez particulier. Pourquoi les musiciens étaient ici au centre, justement en train de jouer? Alors justement, les musiciens étaient ici au centre, comme l'étaient les maîtres de cérémonie à l'époque des tauromachies et de la corrida. Oui. Parce qu'en fait, ici, il y a un effet, un phénomène acoustique qui est étudié pour cet espace. Mm-hmm. Et c'est la même façon de faire des anciens Grecs à l'époque des Coliséums et des Romains à l'époque des arènes romaines. Donc il suffit de se mettre au milieu pour que tout le monde puisse nous entendre sans avoir besoin d'amplificateurs ou de microphones pour que toute l'assistance, les 10 000 personnes qui sont présentes, peuvent nous entendre. Alors démonstration. Et ben voilà, ça résonne de partout. On peut t'entendre de n'importe quel exactement. Endroit. Oui. Donc les maîtres de cérémonie à l'époque des corridas annonçaient les métadors ici même au milieu. Ouais. Et il suffit juste de porter un petit peu la voix pour que tout le monde puisse nous entendre de façon naturelle. Ouais. Ben voilà, alors c'est un site chargé d'histoire, oui. C'est une curiosité touristique également, oui. Importante puisque ce sont les seuls donc à Rennes en Algérie. En Algérie, exactement. Mmh. Ils sont témoins de l'influence espagnole sur la ville d'Oran. Il faut savoir qu'Oran était une ville espagnole pendant 300 ans, mm-hmm. Donc de 1500 jusqu'à la fin 1700. D'accord. Et cette arène-là a été construite en 1890, mm-hmm. Donc dans une région qui était habitée essentiellement par des Espagnols. Oui. Et après, elle a été rénovée en 1906 pour une réouverture en 1910. D'accord. Et on les appelle les nouvelles arènes parce qu'ils ont été fermés pendant un moment et repris en 1954. D'accord. Donc ils ont eu une 10 ans d'existence où il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements. Oui. Donc cet espace-là a accueilli des tauromachies, des corridas, mm-hmm. Des combats de catch, des combats de boxe, des tournois de football, des manifestations culturelles donc voilà. À l'époque, avant d'être refermé à l'indépendance, mm-hmm. Et d'être réouvert il y a quelques temps par la wilaya d'Oran. Et en ce moment même, les activités commencent à reprendre petit à petit, donc il y a mm-hmm. Beaucoup d'événements culturels qui se passent ici. On pense aussi à organiser des événements sportifs aussi. D'accord. Parce que l'enceinte, elle est juste parfaite. Donc ouais. C'est un rond circulaire qui peut accueillir 10 000 personnes dans un endroit très accessible. Mm-hmm. Donc on essaye au niveau de la wilaya et au niveau des autorités de faire revivre ce lieu et d'en faire un endroit, en plus d'être un endroit touristique, ouverte à la visite, mm-hmm. Et qui fait partie du Oran Tour. Oui. Donc on voudrait en faire aussi un endroit utile qui pourrait accueillir des manifestations culturelles et sportives. Et ben voilà, et puis ouais. Ce n'est pas le seul espace, oui. Il y a aussi des boutiques. Exactement, oui. Qui permettent donc aux visiteurs du lieu d'acheter des produits d'artisanat. Oui, donc l'espace central où se passent les spectacles, c'est ici. Et mm-hmm. Tout autour, donc au-dessus des tribunes, mm-hmm. Il y a des boutiques traditionnelles. Il y a quelques artistes qui sont logés ici, qui présentent leurs œuvres mm-hmm. Traditionnelles, des boutiques de souvenirs touristiques. Des galeries d'art. Et des galeries d'art, voilà. Voilà, on va voir tout ça. Exactement. Allons-y.